Passez de bonnes fêtes sur la chaîne Sly Guy. T'as recommencé, hein? T'as laissé couler la flotte avant de partir. Pourquoi tu fais ça, bon Dieu? Je t'ai demandé de plus le faire. C'est notre carte de visite, Harry. Comment ça? Tous les grands voleurs laissent une marque. On nous appellera les casseurs flotteurs. Maintenant, le super clash de la drague. On n'a pas été chercher bien loin. On a été chercher des clashs de la drague depuis la rentrée. On a fait la sélection des meilleurs clashs de Cédric contre ceux de Romano. Je vous donne les méthodes de drague. Je ne les ai pas encore données. Pour la team Le Belge, ce soir, on a sélectionné la méthode du pompier, la méthode du jogging sous la pluie et la méthode du commercial vendeur de capotes. Et du côté de la team Romano, celui qui s'est fait expulser du camping, la méthode de celui qui est bourré en sortant du boulot. Et enfin, vous allez retrouver également Romano, le magicien. Bien évidemment, vous pourrez voter pour le meilleur, le plus marrant, le plus séduisant, le super clash de la drague. Cédric contre Romano, on y va, c'est maintenant, c'est de l'inédit sur Skyrock. Attention, attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Alors, Cédric, on appelle donc une famille prise au hasard dans l'annuaire. Allô? Allô? Stéphane. Ouais, oui. Stéphane? Oui, c'est qui, hein? Bonsoir, comment vas-tu? Je m'appelle Michel, je suis pompier. C'est quoi? Je suis pompier. T'es pompier, les pompiers. Pimpon. Pimpon, les pompiers, tu m'entends? Oui. Ouais, donc je t'appelais parce que cet après-midi, j'ai fait une petite intervention là, à côté de chez toi. Et j'ai remarqué que ta femme, elle m'avait regardé un petit peu, genre, intéressé. Hey, tu sais quoi? Ouais. C'est ce chauve, vous êtes enculé, toi. Bah, tu veux que je vienne à la maison? Un rasoir sur la tête, là. Hein? Tu connais la serpette? Moi, je suis un roumain, moi. Arrête de m'appeler, espèce d'enculé. Tu veux que je vienne à la maison? Fils de pute, là, viens tout de suite, là. Tu mets un coup de serpette. Là, je te sens chaud, là. Tu fais le show au téléphone. C'est marrant au téléphone, là. Tu rigoles, là. Tu rigoles au téléphone. Non, mais tu fais le show, là. Je te coupe la gorge, moi. Eh, tu fais le show, une serpette. Eh, Stéphane, tu fais le show, là. Je vais arriver. Je vais m'occuper de toi. Je vais te calmer. Je vais te montrer le pompier comment il est musclé. Je vais te montrer qu'est-ce que c'est, fils de pute, toi. Et après, je vais m'occuper de ta femme. Et après, ta femme. Ta femme, je vais lui faire l'amour ce soir. Un coup de serpette. Bah alors, Stéphane, c'est dit que je sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Tu sais quoi, rappelle-le. Il était tout énervé. Tu prends un rappel. T'as raison, Cédric. Bravo. Alors, mais c'est pas le clash de l'embrouille, hein. Non, mais je m'embrouillais pas. Moi, ils s'embrouillent tout seuls, hein. Cédric, prends un rappel. Vas-y. Il était marrant, lui. On rappelle, c'était sympathique. Sympathique le roumain. Moi, je suis roumain, j'ai une serpette. Très accueillant. C'est ça. Le mec se balade avec une serpette. Ouais, carpette. Comme Astérix, vous savez. Ouais. Le Panoramix, le druide, là. Oui, c'est le Panoramix. Le thé qui sa serpette. Oui. Dis-lui qu'on a été coupé, Stéphane. Non, t'inquiète, moi. Ah. Ouais, excuse-moi. Tu te mets là ou quoi, toi? Non, mais ça a coupé, t'es en panique ou quoi? Non, mais vas-y, t'es où, toi? Bah, je suis juste à côté de chez toi. Il est content, ils sont. Vas-y, attends, j'ouvre la porte, toi. Bah, vas-y, ouvre la porte, sors, je suis juste devant. Je suis au coin de la rue, j'arrive. Eh, ta femme, elle est prête? Ouais, viens. Parce que je vais lui faire l'amour, hein, tu sais ça. Ouais. Tu peux me dire que. La tête de ma femme, c'est un PD. Eh, hey, je vais la. Je vais la câliner, ta femme. Ce soir, je vais lui faire un gros câlin. Oui. Ah, t'es sorti, là? Ouais, voilà, regarde. Tu me vois pas, là? Je suis au bout de la rue, là. Je te fais un petit doigt. Oh là là. Là, tu me vois, là, regarde. Hop là. Oh, oh. Mmh. Stéphane, tu me vois? T'es content, convainc. Bah ouais, je suis content, t'es sorti, ouais. Bon, ben j'arrive dans 5 minutes, le temps que je me prépare et je m'occupe de ta femme. Vas-y, bâtard. Ok. Va t'enculer ta grand-mère, va enculer ton père. Je ne fais pas chier, toi. Va enculer ton père, toi. Ouais, pas de soucis. T'as un père au moins, toi. Ouais, mais t'inquiète. Tu veux l'adresse, toi. Tu veux l'adresse, espèce de roumain, là. Tu veux l'adresse. Mais c'est toi le roumain ou c'est moi le roumain, je sais pas. Non, espèce de l'adresse, toi. C'est l'adresse, toi. T'as des parents au moins. Je sens que je vais te faire un petit câlin, toi. T'as envie de te. Ah, t'as des parents dans ta vie, je vais te câliner, t'as besoin d'affection. Ah, t'as des parents, fils de pute, dans ta vie. Je sens que t'es en manque d'amour. Ah, vas-y, moi je la achète, moi. Et la serpette, elle est où, la serpette? Faut savoir ce que t'as entre les mains. Vas-y, bah ouvre la porte, fils de pute. Bah, Eh, tu dérailles, mon pote. Hein. Eh, t'as déjà vu une pute? Je crois que. Regarde ta mère. Je crois que tu prends trop de drogue. Eh, je crois que tu prends trop de drogue, là, ça va déraper, là, mon pote. Ouais, ça a déjà dérapé, c'est drôle. Eh, t'es quoi, je vais. Plus que toi, fils de pute. Je vais venir chez toi. Je vais venir chez toi et je vais m'occuper de toi, mon chéri. Ouais, bah, oh, ma poule. Je vais te faire un gros câlin, je vais te calmer. Je vais te mettre mon sexe dans les fesses. Ah, je t'aime, fils de pute. Et après, t'as l'air sérieux. Attends, l'autre, il veut te baiser, là, fils de pute, là. Passe-moi ta femme, parce que. Passe-moi ta femme, je te passerai pas ma femme, enculé de tes morts. Bon, ben j'arrive. Moi, j'encule ta grand-mère. C'est un mec qui me casse les couilles, il dit Stéphane, il va baiser ta femme. Mais dis-lui qu'elle m'a regardé tout à l'heure. Elle m'a fait un clin d'œil. Allô? Stéphane? Attends, écoute. Elle m'a fait un clin d'œil.
la prof. Attends, espèce de bâtard. Bah, attends, moi, je vais t'attraper, je vais te couper un coup de Non, mais c'est pas de ma faute si ta femme m'a fait un clin d'œil et qu'elle m'a montré ses seins. On dit la femme. Bah, passe-moi ta femme. Stéphane. C'est qui, là? Salut, ma belle, comment ça va? Ah, là. Non, je parle pas, là. C'est... Allô? Tu m'entends? J'ai un téléphone, là. Bah, on passe-moi ta femme. Bah, j'ai pas eu le temps de parler avec ta femme. Alors, bâtard. Bah, j'arrive, hein, je vais lui faire un câlin, elle m'a dit de venir. Elle m'a dit de venir. Alors, elle est ta gosse, viens tout de suite. Bah, elle m'a dit de venir, j'arrive tout de suite. Ouais, elle a dit de venir, elle t'a dit de venir. Ouais, elle m'a dit de venir, elle m'a dit viens, je t'attends, chérie. Oui, oui, oui. Bah, je sais pas, elle t'a dit de venir. Je sais pas, c'est un fils de pute qui me parle, j'avais envie de parler. Dis-lui, c'est Michel le pompier. Michel le pompier. Michel le pompier. Ouais, le beau gosse musclé. Ah, ça va, Michel le pompier. Ouais, bah, j'arrive dans 5 minutes, d'accord. Bah oui, Michel le pompier, vas-y, répète encore. Michel le pompier, t'arrives c'est dans ça. 5 minutes. C'est bien, il a compris. Dis-lui de préparer ses fesses, hein, parce que ça va être chaud. Michel le pompier, t'arrives dans 5 minutes. Avec ma lance, je vais lui éteindre Michel le feu qu'elle a dans les fesses. Dans il paraît qu'elle a chaud au cul. Michel le pompier, t'arrives dans 5 minutes. C'est ça, j'arrive tout de suite. Michel le pompier, t'arrives dans 5 minutes. Je crois qu'il est aussi. Michel le pompier. Deuxième qui se bloque tout ça. Bah oui, Michel le pompier, t'arrives dans 5 minutes. Bon, Stéphane, je vais te faire un câlin, toi aussi. Oui, oui, oui. Tu me diras merci, Tal. Tu m'as dit merci Céline, merci je sais pas qui cette connerie là. D'accord, ok. Et c'était rigolo. On remerciera tout le monde et puis je te ferai l'amour. A tout de suite. Ouais, voilà, tu feras l'amour demain. Ben bah voilà. Pas ce soir, t'inquiète. Voilà. Salut Stéphane. Allez, prépare ton anus. Hein. Et bise à la serpette. On va passer des heures dessus si tu veux. Ouais, mais j'arrive, t'inquiète, on va faire ça pendant des heures. Ah oui, bah oui. Je ferai l'amour pendant des heures. T'arrives. Allez, bisous mon chéri, à tout de suite. Allez, je t'aime, je t'aime. Et voilà, moi aussi je t'aime. Et voilà, ça finit par un d'amour quand même. Comme c'était beau. On s'encule ou pas? Oui, oui, je t'encule, ça c'est clair. Je commence et après tu finiras si tu veux. Non, non, moi je préfère commencer. Bon, bah tu commenceras si tu veux et puis moi, je ferai et après tu me laisses la bite. Bah si tu veux, on fera ça, t'inquiète. Ah, voilà. Ouais, tu lui coupes la bite avec la serpette. Allez, et oui, je finirai dans ta bouche. Je ferai une faciale histoire de te faire un masque pour la nuit. Merci, au revoir, monsieur l'ordinateur. A tout de suite, bisous. Au revoir, monsieur l'ordinateur. Bisous. Ouais, monsieur l'ordinateur. C'est pas un truc à l'ancienne, ça. C'est une chanson pour les gosses. Ah ouais. C'est de Dorothée, ça. Monsieur l'ordinateur. Eh bien, Cédric, très beau clash de l'embrouille. Et un serrage quand même à la fin. Romano, la barre est déjà haute dans le clash. à toi de jouer, c'est Frédéric qu'on appelle. C'est parti. Kalagan, il veut t'enculer, Cédric. Ouais, non, mais il va se calmer, là, le père Kalagan. Allô, c'est la femme de Frédéric. Je crois, oui. Oui. Est-ce que Frédéric serait disponible? Bah écoutez, je vous le passe, ne quittez pas. Parce que c'est pour un campeur en détresse, là. Ah, bah écoutez, je vous passe, peut-être qu'il pourra faire quelque chose pour vous. Ah, bah j'espère bien. Sympa, elle est gentille la dame. Ouais, ouais, sympa comme tout. C'est la femme de Frédéric. Ouais. Allô? Ouais, Fredo? Oui. Ouais, dis voir, je t'appelle là, j'ai une petite galère. Je me suis fait expulser du camping d'à côté là. Attends, je me suis fait expulser du camping d'à côté. Ouais, je me suis fait expulser là parce qu'en fait, bon, j'ai eu. Pour ne rien te cacher, j'ai eu une diarrhée dans les douches, ils ne l'ont pas supporté. Ouais. Qu'est-ce que tu me dis, donc? Ouais. Et donc, là, je vais venir à la maison ce soir. Ta femme a, je lui ai parlé juste avant, elle a une folle envie que je lui fasse l'amour. Ah, bah, c'est très bien. Bah, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arriver dans 5-10 minutes. Voilà. Donc, tu es où, là? Bah, là, je sors du camping. Mais lequel? J'arrive, le camping, là, avec la pancarte verte. Bah, lequel, alors? Parce qu'il y en a plusieurs. Bah, là, le camping, le camping du machin, là. Bah, du machin, c'est lequel, le nom? Ouais, bon, on s'en fout, hein. Bah non, attention. On s'en fout pas, parce qu'en fonction de celui d'où tu viens, il y en a 10 minutes, il y a une heure. Non, non, mais c'est celui à 10 minutes, j'ai regardé sur la géolocalisation. Oh, magnifique. Et donc, j'ai géolocalisé le bon cul de ta femme, et ce soir, bon, je vais taper dedans, quoi. Oh, alors, hé, tu sais qu'il y a un numéro où on peut faire, où ça s'appelle con en détresse. Bah écoute, pendant que mais non, mais je vais te le donner. Si non, tu veux. Mais pendant que je niquerai ta femme, tu les appelleras. Ça s'appelle le 17, con en détresse. D'accord. Voilà, essaye ce numéro, tu verras, c'est très bien. Mais je n'oublie pas de prendre tes gouttes. Mais je vais passer chez toi avant quand même. Eh bien, je suis pas sûr. Non, mais bravo, Romano. Bah, si, j'ai eu là aussi. Mais rien du tout, gros. J'ai là aussi. Bah, si, bah, bien sûr que si, m'a dit que je pouvais venir. Et en plus, il t'a rendu service avec. En donnant un numéro de téléphone. De con. Tiens, Cédric. En détresse, c'était très drôle. Cédric était mort de rire, d'ailleurs. Hein. Ça m'a fait rire, ouais. Le 17, tu peux. Il t'a pas pris pour un con, tiens. Bon, allez, deuxième tour. Attention, Cédric. Allez, vas-y, deuxième tour, on y va. On s'endort sur ses lauriers, man. Ah, non, du tout. On arrive avec. T'as pas de laurier. C'est une expression, Cédric. Ah, mais chier. Oh là, je sais pas si c'est un laurier, là. Bon, allez, deuxième tour. Serge Laurier, c'est Serge Laurier. Non, c'est pas lui. Allô, c'est qui? Allô.
Allô, Christophe. Allô, Christophe. Oh, c'est qui les connards qui sont en appel à ce temps-là? Bah, ça va, Christophe, tranquille, détente, mon pote, c'est Michel. J'en ai rien à foutre, vous êtes en train de déranger tout le monde, là. Bah, justement, je voulais venir à la maison. Eh ben, viens. Je t'explique, là, j'ai fait un jogging tout à l'heure, là, je me suis mangé la pluie. Du coup, j'aurais bien aimé prendre une petite douche et me sécher chez toi. Espèce de connard, t'as que ça à foutre? Bah, ouais, prendre ma douche chez toi, ouais, j'ai que ça à foutre. Ouais, bah, viens. Bah, j'arrive, là, dans 5 minutes. Connard. Eh, ta femme, elle pourra me frotter le dos? Vous avez que ça à foutre? Bah, j'aimerais bien. Que... par derrière, là. Eh, si elle peut me frotter le sexe aussi, si ça te dérange pas. Il y a de la gueule par derrière, là. Bah, j'arrive, là, tout de suite, là, tu verras. Ouais, justement, parce qu'on a la gendarmerie à côté, en même temps. Bah, pas de soucis, tu feras ce que tu veux avec la gendarmerie. Espèce de connard, c'est de pignouf, va. Pignouf. Eh, moi, je m'occuperai de ta femme, tiens. Tiens, t'as de la gueule par derrière, là. Non, non, mais j'arrive. T'as de la gueule au téléphone, là. Eh, je suis juste devant chez toi, là. Eh, ben, viens. Bah, ouvre la porte, t'inquiète, je suis là, mon pote. Ouais, bah, viens, viens. Eh, dis à ta femme de se préparer, parce qu'elle va s'occuper de moi un petit peu, quand même. Mais espèce de connard. Qu'elle me frotte le dos et la bite. Mais t'as de la gueule par derrière, là. Non, non, je te dis, c'est pas par derrière. Et si tu veux, je te ferai un petit câlin pour te calmer. Viens en face, espèce de connard, là. Bah, je suis face, je suis devant chez toi, là, mon pote. Eh ben, bah, viens. Je suis devant chez toi. Ouvre la porte, ouais. Je suis là. Va ouvrir. Ouais. Bah, ouvre. Ouais, bah, viens. Je suis devant, bah, ouvre. Ouais, bah, viens. Bon, j'arrive tout de suite, là. Ouais, bah, t'as de la gueule par derrière. Non, je te dis, je te ferai un petit câlin pour te détendre un peu, oui, je te sens tendu. Ta gueule. Et ta femme, elle me frottera le zizi, tiens, mais sous la douche. Bien sûr. Ah, y'a de la gueule par derrière. Et si... mais t'as pas de couilles au cul, mon pauvre gobe. Bah, si tu veux me foutre tes couilles au cul, y'a pas de problème. Ouais, hein. Mais t'as vraiment que ça à foutre, hein. T'es au chômage ou quoi, pauvre gars, bah. Non, tu non, pas c'est parti. Tu bosses pas le matin. Eh, si tu veux, je dors chez toi, comme je suis au chômage. Ben oui. Et tu me feras le café demain matin en même temps. Mais il y a vraiment des cons sur terre. Eh. Allez, pédale, ça marche, vieux. Allez, j'arrive, à tout de suite, mon amour. Ouais, bah, viens, on va s'expliquer. Je sens que ça va être chaud dans tes fesses ce soir. Ouais, mais pauvre con, bah. Mais vraiment, mais t'as pas arrêté qu'un pauvre taré, moi. Bah, je suis taré, j'arrive tout de suite, je vais craquer pour toi, mon chéri. Mais espèce de débile, les débiles, ça se soigne. Bah, écoute, tu me soigneras mes fesses, tiens. Tu as une famille, espèce d'abruti, là. Eh, mais c'est toi qui es en train de crier, t'es en train de les réveiller, les pauvres. Ouais, bah, à cause d'un connard qui est au bout du fil. Bah, crie pas, les pauvres, ils sont en train de dormir, laissez dormir mais comme ça. Mais va te faire foutre, espèce d'enculé, là. Eh, comme ça, je te ferai l'amour. Tu l'as mis à bout de nerf. Allô? Eh bien, Cédric, c'est mieux que le premier appel, puisqu'il y a une invitation. Ah, bah ouais. Ah, il était. Ah, bah, alors, faire péter la gueule. Une invitation. Ça... Je me suis demandé s'il allait pas sortir de chez lui à un moment. Alors, j'ai bien aimé. Moi, il a hésité, je crois. Hein. Cédric, t'es un pignouf. Pignouf. Il y a eu un chapelet voilà. D'insultes, ça, c'était pas mal. Abruti, espèce d'enculé. Ah, bah là, il y a eu la totale, ouais. Romano, à toi. Pour l'instant. Jean-Claude. Pour l'instant, Cédric est quand même. Caracol en tête, on va dire. Ah ouais. Caracol en tête de rien du tout. Bah si. Seuls les votes comptent. Hein. J'ai un bête de serrage, t'as rien fait. C'est vrai. Ouais, mais ça, seuls les votes comptent. Non, mais sur les votes, il a raison. Non, mais on parle pas des votes, il n'y a pas encore eu les votes. Allô? Jean-Claude. Jean-Claude? Oui. Oui, comment tu vas? Je te réveille pas. C'est qui, là? C'est Jean-Louis à l'appareil, là, je sors du bistrot. Jean-Louis qui? Jean-Louis, un copain de ta femme. Le petit chauve à lunettes, là. Tu vois? Oh, ça te dit rien. Bon, écoute, là, j'ai un petit problème. J'ai picolé un peu trop. Je suis complètement décabané. Je vais venir dormir chez vous ce soir. Comme ça, par la même occasion, je ferai l'amour à ta femme. Mais qui t'es, toi? Qui t'es? Bah, je te dis, je m'appelle Jean-Louis. Et j'arrive dans 5 minutes. Là, j'ai la bite à la main. Tu te pointes pas chez moi, je veux voir personne, moi. Ah, bah non, bah, j'arrive. Moi, j'ai rien à foutre. Hein. Moi, il faut que je nique hein, ce soir. Hein. Quoi? Bah, ou alors, c'est toi, tu me suces. Mais qui t'es comme connard, toi? Mais je te dis, je m'appelle Jean-Louis, je peux être là dans 5 minutes. Oui. Bah, tu me la suces, je la colle à ta femme, et puis on n'en parle plus, hein. Mais tu vas fermer ta gueule ou sinon j'appelle les flics, moi? Non, mais y a pas à appeler les flics, ça sert à rien. Mais si. Non, mais là, je prends le téléphone, j'appelle les flics. Non, mais je vais venir directement, là. De toute façon, je peux me pointer, je suis pas loin, je suis même pas à 500 mètres. Mais t'es complètement barré, non? Ah, complètement bourré, mais il faut que je me fasse ta femme ce soir. Ah oui, mais c'est ça. Continue tes conneries, tu vas voir comment je vais t'accueillir, moi. Bah alors, ok, bah j'espère que tu vas m'accueillir la bouche ouverte pour oui, que mais je... c'est les flics qui vont t'accueillir, mon petit gars. Bah, tu crois qu'on fera l'amour avec eux aussi? Oui, si tu veux. Bon, bah on fera une partouze, alors. Ah. Bon, bah j'arrive pour la partouze dans 5 minutes. Mais mon pauvre gars, mais faut te faire enfermer. Bon, bah j'arrive. De toute façon, je crois que j'ai bien compris ton petit manège, t'es chaud, toi aussi. La danse. Mais t'es complètement cinglé, mon pauvre gars. Ta femme, elle est là ce soir? Non, elle est pas là, justement, elle est au boulot. Bah alors, bah voilà, bah écoute, c'est pas grave, je te la mettrai dans les fesses. Mais mon pauvre, mais faut te soigner. Non, mais on s'en va en l'air. Faut te soigner, mon gars. C'est... Bah, on va se soigner, hein, il faut me soigner le. Il faut me soigner le zizi, hein. Mais t'écoute, mon malade. J'ai envie que tu me fasses pleurer le sexe. Oh là 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 là. Et ta femme, elle. Jette-toi, allez-moi,
moi c'est les flics, de toute façon, il n'y a pas de détails. Hop. Allez. Ta femme, bon. elle rentre à quelle heure? Je t'emmerde, moi. Bon, bah j'arrive dans 5 minutes et puis on voit ça ensemble, de toute façon. Je suis pas sûr. Moi je t'emmerde et tu le pointes là, je te pète la gueule, moi. Bah non. On est là pour faire du. On est là pour faire du sexe, ça, ce soir. Ah, c'est bon. On va faire du sale, là. Non, mais t'écoutes pas, moi là, mon pauvre type. Bah, tu peux bien te laisser aller pour une fois. Essaye. Ferme ta gueule, tu commences à m'énerver. Non, mais tu te mets à quatre pattes, hop, on n'en parle plus. Et voilà. Lui, il était super. Ah ouais, lui, il était. Mais qui que t'es? Un kick-tay. Mais t'as rien fait encore. Bah on a bien rigolé. Pas de serrage. J'ai entendu parler d'une partouze avec la police. Ouais, il y a la police qui arrive pour la partouze. Tu crois? Bah évidemment, oh, il l'a dit le mec. Ah, il a dit. T'abuses pas un petit peu toi? Non, non. Moi je regarde le côté positif des appels, vous êtes bien ce soir. Ah ouais, bah, tout est positif. Mais il a rien fait. Vous êtes tellement mais bien. Mais arrête de dire ça, change de disque mec. Bah c'est la vérité gros, tu t'es fait jeter en l'air comme une merde. Mais non, pas du tout, le mec était super sympa. Il veut te péter la gueule. Le mec était super sympa, il invite la police pour qu'on touze. Ouais, pour te péter la gueule surtout. Je vous donne un troisième tour. On appelle chez qui? Christopher. Allô, bonsoir. Allô? Ouais, Christopher? C'est qui là? Ouais, bonsoir, comment vas-tu? C'est qui? Je me présente, je m'appelle Michel, je suis commercial en capote. Et je t'appelais ce soir là parce que j'ai deux capotes à tester là et j'aurais bien aimé ça si ta femme était dispo. Ouais, des gros bouffes quoi, encore pas de couilles. Bah écoute, si tu veux, je peux venir te voir tout de suite. Bah c'est quoi ton nom, vas-y, dis? Bah je t'ai dit Michel. Ce que je fais, c'est que je viens chez toi, on fait connaissance. Ferme un peu ta grande gueule, tu sais quoi, moi j'ai pas que ça à branler avec des bouffes comme toi. Bah tu sais quoi, je vais m'occuper de ta femme moi, c'est pas grave. Franchement, des gros bouffes de gamins de 12 ans, quoi. Ah non, j'ai un peu plus de 12 ans. Ouais, allez, ferme ta grande gueule. Tu sais quoi, t'aurais plus que 12 ans, mon gars, tu ferais pas des conneries de bouffes comme ça. Tu veux que je débarque à la maison? Tu crois que j'ai que ça à branler ou quoi, moi? Bah arrête de crier, tu vas le réveiller. Ouais, ta gueule, fils de pute. Eh, tu sais quoi, j'arrive dans 2 minutes. Ferme ta gueule, gros fils de pute. Viens devant chez moi, je te bombarde ta gueule, viens. Je trouve que tu te la racontes quand même au téléphone. Bah viens, je t'attends. Bah écoute, je vais venir dans 2 minutes, je m'occupe de toi et après je m'occuperai de ta femme. Ouais, bah viens, je t'attends tout de suite. Je peux te dire qu'elle va déguster là. Fils de pute, de ta grosse morte de fils de pute, va. Viens. Ah, là, c'est parti, là. Bon, bah j'arrive dans 5 minutes, dis à ta femme de se préparer quand même. Ouais, je vais te défoncer, tu vas voir, moi. Et moi, je vais la câliner, moi. Ah ouais. Je vais lui faire un Viens, allez. Je vais lui faire un gros câlin. Eh, je suis là, t'excites pas, j'arrive, hein, t'inquiète pas. Ouais, t'es là, ouais. Sois pas pressé, mon chéri. T'es là, rien du tout, fils de pute. Bah, je suis là dans 2 minutes. Eh, là, je suis juste derrière, là. Ouais. T'es quoi, mets-toi devant ta porte, là, je suis là dans 30 secondes. Ouais, bah, je suis là, vas-y. Bah, ouvre la porte. Ouais, c'est ça. Je suis là, t'inquiète. Ouais. Bon, bah, j'arrive tout de suite, Christopher, hein, et dis à ta femme de se préparer, comme je t'ai dit. Ouais, ta gueule, fils. Bisous, mon chéri, j'arrive, à tout de suite. Une grande histoire d'amour qui commence. Ça a mal parlé, hein. Ouais. Ah ouais, ça parle mal. Un gros beau fils. Mais le mec me dit, viens. Tu ne t'es pas laissé déconcentrer après que, il est vrai, tu as volé le nom de la marque du roi de la capote, déposé Romano. Non, ouais, non, mais faut pas se foutre de la gueule. Mais quand t'as déposé ça? Déposé conseil pas cher, déposé également. Quand il a fait ça? Non, mais bien sûr, mais je l'ai fait, mais le matin. Sans doute un soir où tu as dû arriver en retard. T'as tout fait, ou un matin où t'étais pas là, mais vu que l'année dernière t'étais absent 6 mois. Non, mais j'écoutais tous les matins. C'est bien. Tous les matins à 6h, j'étais debout. C'est à toi, Romano. Son du internet. Hein? Son du internet, ouais. Son internet. D'accord. C'est bien. Ah oui, il a préparé un show pour vous, c'est Romano le magicien, ce soir. C'est pas ce pour ton petit coup de fil. Chez qui qu'on appelle? Chez Pascal qui répond pas. Alors, on va voir. Commence bien, tiens. Pascal est le spectacle de Romano le magicien. Et bah, baguette abracadabra. Abracadabra, la baguette. Allô? Oui. Christian? Bonsoir. Qui c'est là, pareil? Bonsoir, c'est la femme à Christian? Oui. Oui, bonsoir madame. Est-ce que Christian est là, s'il vous plaît? Oui. Oui, c'est pour un tour de magie. Ah, bon. Je suis magicien. C'est un magicien. C'est un magicien. Ah oui? Ouais, comment tu vas? Allô? Qui, ouais, allô, c'est... Putain, attends, ça va pas être leur voisin, moi. Est-ce que tu pourrais baisser la télé? Je t'entends très mal. Mais vous êtes qui, là? Ah, voilà. C'est quoi ce prénom déjà? J'ai un trou de mémoire. Christian. Ouais. Ouais, c'est Jean-Louis le magicien, là. Là, je suis en show actuellement dans un cirque pas loin de chez vous. Et je voulais venir faire un petit tour de magie à ta femme. Faire disparaître ma baguette magique dans ses fesses. Est-ce que c'est possible de passer, là, vite fait? Eh ben, ta baguette magique, t'inquiète, t'as foutu dans le cul. Ah non, dans le cul. Enculé, va. Péné, tapette, fils de pute, bâtard. Broche. Allez, tout d'un coup, bim. Allez, bah. Allô, Christian. Enculé, pété, tapette, fils de pute, bâtard. Passez de bonnes fêtes sur la chaîne Aslagaï.
On a fait un petit mix, même un gros mix des meilleurs clashs de Cédric contre les meilleurs clashs de Romano depuis la rentrée septembre. Et pour ce clash de la drague, victoire de Cédric le Belge qui l'emporte avec 57% des votes contre 43% contre Romano. Encore un grand merci à tous les votants et je vous annonce que j'ai un nouveau super clash sous le coude. Je vous le passerai vendredi pour la toute dernière émission de l'année.